donne même pas, je souffre tellement. Ce problème-ci dure depuis 2 semaines. Entre l'école, vraiment, c'est pourri, rien ne va ici. Là. Là-bas, c'est la magie, tu vois les étangs d'eau là. La canne qui approche, ça nous amène au développement. Pour construire, il faut d'abord casser. Pour mieux réaliser, on détruit d'abord. On croyait avoir tout vu à Douala avec le mauvais état des routes. Ce que vous voyez ici n'est en rien un montage. Nous sommes bel et bien dans le 3e arrondissement de Douala, au lieu dit Niala, entrée école, la route. Un véritable chemin de croix pour les habitants de ce quartier. Ici, il faut peut-être élever des prières. C'est compliqué, très compliqué. Ou peut-être s'acheter une cigarette. Ou encore simplement glisser et faire demi-tour à la maison pour trouver le passage. Ça fait un bon bout de temps que notre quartier était dans un état délabré quoi. On n'avait pas de route. On a creusé là. C'est là qu'il y a des difficultés parce qu'avec la pluie et tout, ça fait la boue. Ça ne vaut pas la peine. Il y a la école jusqu'au quartier là, c'est la boue. On vient, on racle, on laisse. Pour les véhicules, il faut avoir un pare-choc solide et un chauffeur qui a vraiment fait son auto-école. Une route où il est presque impossible de traverser ou de se frayer un passage. Même les élèves, le chemin de la réussite est périlleux et plein d'embûches. Ce problème-ci dure depuis 2 semaines. Je rentre à l'école, il n'y a pas les motos parce que tous les motos ne veulent pas sortir. Par rapport à la route. Vous-même, vous voyez la situation, pas de ces enfants ministres, ils sont obligés de les accompagner avec une autre paire de chaussures à main. On aime, on n'aime pas, la route de Niala entre école dicte sa loi. Même le matin, c'est les problèmes, même pour rentrer, c'est les problèmes. Comme moi, comme ça, là, ils sont en train de me rendre en vie, mais égale ma moto est propre. Je ne peux pas rentrer là-bas. Je dois chercher des routes dans les sous-quartiers. C'est même difficile, même pour atteindre le bouton. Vraiment, c'est difficile. Le gouvernement se bat. Apparemment, là, ils sont en train de se battre en sorte qu'on se débrouille. Malheureusement pour ces usagers, le seul raccourci qui existe dans ce quartier, le voici. Toutefois, il faut relever le passage de la communauté urbaine de Douala qui, malgré les critiques, abat un travail formidable pour le satisfaire des habitants de ce quartier qui sont tous sur la route de la canne. Eh bien, c'était la situation ici à Niala, entrée école. Comme vous l'avez constaté, la population peine à trouver le bout du tunnel. Tous les matins, c'est le même calvaire. Constatez simplement devant moi là le dégagement qui a été effectué. Je suis Théophile Koumabité pour For You Media.